les joueurs de loto, ben, ils sont en galère. Ils ont des gros revenus, d'accord, d'un coup, et ils perdent tout. C'est pour ça que certains avocats, certains docteurs, ils sont tous en galère financièrement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le fait de toucher 10 000 euros par mois qui fait que tu es riche. C'est combien il te reste à la fin. Comment tu prends soin de ton argent ? Comment tu fais pour le multiplier ? C'est ça la vraie clé. C'est pour ça que même si tu as un petit salaire, si jamais tu commences à mettre 10% ou 20% de côté, et qu'après tu l'investis intelligemment, tu pourras être même plus riche qu'un docteur ou qu'un avocat. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Bah oui, à un moment donné les gars, on peut pas charbonner comme ça tous les jours et vous recevez pas les vidéos. Là ça va pas, ça va pas. 8 règles à suivre pour pouvoir devenir riche en 2020. Et ouais les gars, je suis là aussi pour ça les gars, ça me fait plaisir. Donc je vais partager avec toi les 8 règles à suivre. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. T'as ton description si jamais tu veux aller plus loin. Et passons directement à la première règle. Première règle du succès à mettre en place, c'est, tu vas trouver ça un petit peu bizarre, mais c'est de permettre aux gens d'être heureux. Ça veut dire quoi de permettre aux gens d'être heureux? Bah, cette fois, simplement en fait, en apportant de la valeur, en aidant les gens à pouvoir être heureux, à résoudre leurs problèmes ou à les amuser. Tu vois, par exemple, un comique, par exemple, bah, lui, son job, il se fait payer pour ça. Il rend heureux les gens, il les fait rire et il est payé pour ça. Donc, c'est exactement la même chose. Il va falloir faire appel à tes compétences, à ta passion pour pouvoir permettre aux gens de leur apporter de la valeur, de les aider. Okay? Et ça, ça va te permettre de... Bah, c'est la première règle qui va te permettre de soutenir en fait dans la durée ta réussite. Deuxième règle à suivre, c'est investir. D'accord ? Alors investir et créer son entreprise, je sais que souvent je te dis, il faut absolument que tu crées ton entreprise pour pouvoir générer du cash rapidement. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite. Donc dans cette vidéo, ce que je voulais te dire, c'est que tu n'es pas obligé de créer une entreprise, d'accord, pour pouvoir devenir riche. Tu peux le faire par le biais, par exemple, de l'immobilier en investissant, d'accord, un patrimoine, peut-être en ayant un patrimoine grâce à l'argent des autres, grâce à de la banque, pour pouvoir avoir un patrimoine d'un million qui va se rembourser au fur et à mesure, d'accord. La seule différence, c'est que tu vas y arriver, mais ça va prendre du temps. Mais l'essentiel, c'est d'y arriver quand même, tu me diras. Ok, bon, moi maintenant, je préfère la voie la plus rapide, c'est de créer ton business pour pouvoir vraiment générer du cash rapidement et pouvoir devenir riche, tout simplement. Troisième règle à suivre pour pouvoir devenir riche, c'est multiplier tes revenus. Ok, on a toujours eu l'habitude depuis tout petit d'avoir un seul revenu. Maintenant, imagine, regarde, tu as ton travail, ok, tout se passe bien. Même si tu as un gros salaire, hein, tu as un 4, tu as un gros salaire, tu fais même, je sais pas moi, 5000 euros par mois. Ok, le jour où ta boîte, elle te dit, bon, bah, tu es licencié, tu es cuit, tu vois, tu n'as plus de revenus, tu n'as plus rien. Ok, donc c'est juste super dangereux d'être là en mode ouais j'ai un CDI, je suis tranquille, j'ai mon revenu qui tombe tous les mois. Non, c'est pas sûr qui tombe tous les mois. CDI, ça ne veut plus rien dire de nos jours. Tu peux te faire virer du jour au lendemain. Donc super important de multiplier tous tes revenus. Ok, donc c'est que tu sois salarié. Hein. Là, je ne parle pas seulement pour les entrepreneurs. Que tu sois salarié, il faut que tu multiplies tes revenus. Donc ça peut être par des investissements, ça peut être juste en louant ta chambre, en mettant ta chambre sur Airbnb. Ok. Et ça, ça te fait de l'argent. Si tu es un entrepreneur, bah, tu peux multiplier les investissements, différents produits, avoir différents produits, comme ça, ça fait différentes sources de revenus. Si un produit ne fonctionne plus, tu as un autre produit qui prend le relais, etc. Donc, super important pour être sûr, les gars, avoir plusieurs sources de revenus. Quatrième règle, si jamais tu veux devenir riche en 2020, c'est de devenir entrepreneur. Alors, je sais que je te le dis à chaque fois, mais je te le répète. Déjà, pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, salut les gars, ça fait toujours plaisir. Et parce qu'il faut que tu l'entendes et que tu comprennes. Parce que est-ce que tu es entrepreneur ou pas? Est-ce que tu t'es lancé? Est-ce que tu as pris ma formation en ligne qui est offerte pour pouvoir commencer à te lancer? Qu'est-ce que tu as fait déjà depuis que je t'ai dit ça? Super important. Si jamais tu n'es pas entrepreneur, tu restes salarié, tu ne deviendras pas riche. C'est sûr et certain ça. Ok, on va prendre un exemple. Brian touche 10 euros de l'heure. Ok, on va dire Brian touche 10 euros de l'heure. Ok, je vais te montrer que tu gagneras toujours plus d'argent à vendre un produit ou un service qu'à travailler à l'heure. Ça veut dire qu'à échanger ton temps contre de l'argent. Même si c'est ok de le faire dans le premier temps, dans un premier temps. Donc Brian, il est aux 35 heures et touche 10 euros par heure. Ok, donc ça fait un total de... Donc ça fait qu'il va faire 720 heures. Ok, et donc en gros, il va toucher 1400 euros. Imaginons maintenant que tu es entrepreneur, d'accord, que tu vends un service ou un produit. Il suffit que tu aies un produit ou un service à 350 euros. Et bien en vendant 4 produits, d'accord, sur un mois entier, eh ben, tu fais le même salaire. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, c'est du CA, c'est de la vente, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, là, j'ai juste dit 4 produits. Ok. Et tu es autonome, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Donc, tu
tu vois, il n'y a pas photo, quoi. Travaillez à l'heure, les gars, ça ne va pas vous enrichir, ok? Donc, passe à l'action, crée ton entreprise, il y a des formations offertes. Juste jette un coup d'œil. En plus, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou avec un collaborateur à moi. Passe à l'action, ok? Parce que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est garanti, ça. Ça, je le garantis 100%. Signé, lu et approuvé. Cinquième règle à suivre pour pouvoir devenir riche en 2020, c'est l'attention. L'attention, c'est quoi? Il faut absolument que les gens te connaissent. S'ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas te suivre, ils ne peuvent pas t'aimer, ils ne peuvent pas te détester, ils ne peuvent pas devenir prospects, ils ne peuvent pas te acheter tes produits, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne te connaissent pas. L'attention, ok? La spécialiste pour ça, c'est Kim Kardashian. Elle a frappé fort d'un coup, elle a dit « sex step ». Boum! Arrivé dans le game, sex step. Après, elle a enchaîné avec un show là, avec toute sa famille. Voilà, à chaque fois, sa spécialité, c'est de capter l'attention. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde l'aime ou la déteste. Mais une fois qu'elle a l'attention, elle place ses produits, après elle fait son maquillage, l'année, etc. Voilà, si elle n'avait pas l'attention des gens, personne ne la connaîtrait et personne n'achèterait ses produits. Okay? La puissance pour pouvoir vraiment devenir riche en 2020, c'est que tu as un maximum d'attention. Et l'attention des gens. L'argent est là où il y a l'attention. C'est aussi simple que ça. Retiens bien, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, l'argent est là où il y a l'attention. Sixième règle à mettre en place, c'est de faire attention à ne pas confondre entre les revenus que tu génères et l'argent qui te reste, ok? La richesse, c'est combien d'argent il te reste. Combien d'argent il te reste, ok? Que ce soit l'argent que tu ne dépenses pas, que ce soit l'argent après impôt, ok? C'est ça la réalité, la vraie vie, c'est ça. Okay, il y a des gens qui peuvent te dire « j'ai fait 3 milliards », mais si jamais à la fin, il leur reste, je sais pas moi, 100 000 euros sur leur compte, il y a un problème. Donc, super important de faire attention à son argent. Et c'est pour ça qu'il y en a qui s'expatrient, parce qu'ils prennent soin de leur argent. Si jamais tu travailles à un endroit où on te prend 75% de tes revenus, ça fait mal, tu vois. Ça veut dire que pendant de janvier à septembre, tu travailles pour l'État, quoi. Tu ne travailles pas pour toi. Et en plus, ils ne t'aiment pas et ils te flagellent. Non. Et même avant ça, ta capacité à gérer ton argent, tu vois. C'est pour ça que les joueurs de loto, ils sont en galère. Ils ont des gros revenus, d'accord, d'un coup, et ils perdent tout. C'est pour ça que certains avocats, certains docteurs, ils sont tous en galère financièrement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de toucher 10 000 euros par mois qui fait que tu es riche. C'est combien il te reste à la fin. Comment tu prends soin de ton argent? Comment tu fais pour le multiplier? C'est ça la vraie clé. C'est pour ça que même si tu as un petit salaire, si jamais tu commences à mettre 10%, 20% de côté, et qu'après tu l'investis intelligemment, tu pourras être même plus riche qu'un docteur ou qu'un avocat. Parce que tu sauras bien utiliser ton argent. Et tu n'auras pas pris des crédits qui t'auront coupé à la gorge et chaque mois tu es en déficit, tu as découvert. Ok, donc prends soin de ton argent. Septième règle pour pouvoir devenir riche, du coup, ce ne sera pas en 2020 parce que c'est sur du long terme, c'est d'investir dans les intérêts composés. Ça veut dire quoi? C'est d'investir dans des trackers, d'accord, en bourse, et ça te permet d'avoir à peu près 8% chaque année. Et l'effet des intérêts composés fait que, voilà, je ne sais plus à combien, si jamais tu mets peut-être 300 euros par mois, ou peut-être même moins, ça te permet d'avoir une somme énorme, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ok? Donc l'avantage de ça, c'est que tôt ou tard, tu vas devenir riche. Donc si tu gardes cette discipline, ça c'est sûr. Maintenant, le désavantage, c'est que ça prend du temps, quoi. Mais c'est quelque chose à mettre en place, d'accord? Pour les gens, par exemple, qui font la grève pour faire la retraite, pour la retraite, par exemple, ils devraient commencer à mettre ça en place. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir une retraite assurée dans 20 ans. Huitième règle pour pouvoir devenir riche en 2020, c'est d'avoir des actifs. Ça veut dire quoi, des actifs? Privilégie les actifs que l'argent sur ton compte, ok? Ce que tu dois te demander, c'est combien d'actifs que j'ai et combien ces actifs me rapportent d'argent. On s'en fout du cash que tu as sur ton compte. Okay? C'est bien d'avoir du cash pour avoir de la puissance, d'accord, financière face aux banques, etc. Si jamais tu veux investir. Mais ce qui compte réellement, c'est combien d'actifs tu as et combien ces actifs te rapportent. C'est là qu'on voit vraiment ta vraie richesse. Okay? Le cash, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut le faire circuler et que tu ne dois pas avoir de cash. Pourquoi tu as 1 million sur ton compte? Pour faire quoi? Ça sert à quoi? Il faut qu'il soit placé dans un actif qui te rapporte de l'argent. Ok? Donc moi, pour voir quelqu'un, par exemple, qui a 1,5 million sur son compte, par exemple, en cash, d'accord? Mais il a juste ça, mais il n'a pas d'actif. Mais quelqu'un qui a un actif qui lui rapporte, qui a des actifs, excuse-moi, qui lui rapporte au moins 20 à 30 000 euros par mois, moi, la personne qui est plus riche, c'est la personne qui a ses actifs qui lui rapporte 30 000 euros par mois. Ok? Donc, super important de ne pas tomber dans ce piège-là. Ce que tu veux, c'est des actifs. On n'oublie pas la première règle, père riche, père pauvre, les gars. Acquérir un maximum d'actifs pour pouvoir te permettre d'être libre, d'être vraiment indépendant financièrement. Okay? Le cash comme ça, ça ne sert à rien. Okay? Faut le faire circuler, sinon il n'a aucune valeur.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es un rageux, on comprend pas pourquoi. Ok, si jamais t'as aimé cette vidéo, bah écoute, c'est la règle mon gars, pour me remercier, bah partage-la, mets-moi un petit commentaire pour me donner la force, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mets-moi aussi une règle que toi tu penses que j'ai oublié. Enfin, je sais pas que j'ai oublié, c'est que je vais pas tout mettre sur toutes les sur une seule vidéo. Et j'ai une vidéo à faire demain. Ok, donc mets-moi une règle si jamais qui pourrait aider d'autres personnes par exemple pour pouvoir devenir riche. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, il sera épinglé, d'accord. Je te partage directement une formation en fait pour pouvoir créer ton business en ligne. Tu pourras aussi prendre rendez-vous avec moi ou un de mes collaborateurs pour voir un petit peu tes objectifs et voir comment t'orienter au mieux par rapport à tes objectifs. Si jamais tu es coach, consultant ou expert, bah là tu as une masterclass, d'accord, pour pouvoir te permettre d'atteindre les 5 chiffres par mois rapidement, d'accord. J'ai plusieurs de mes coachés qui les ont atteints. Tu as le témoignage en i comme info pour pouvoir le voir, leurs résultats. Et tu pourras aussi prendre rendez-vous avec moi ou avec un de mes collaborateurs pour voir en fonction de là où tu es, si jamais on peut t'accompagner à atteindre tes objectifs. Okay, au moins tu auras le plan pour pouvoir atteindre. Et tout ça c'est offert les gars. Okay, donc là je fais mon maximum, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas avoir d'excuses, les gars. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à Miami, mon gars. Ah, tu t'attendais pas à cette fin-là. Hein, je sais que tu t'attendais pas.